Να φορούμε και την κρεμότητα. Άλλο. Ton anniversaire, comme nous sommes tous des amis, on ne peut pas te laisser comme ça. On a décidé de faire du sport, mais on voulait te soutenir quand même. Joyeux anniversaire. Depuis quand tu fais sport? Moi, il y a seulement 2 semaines. Je t'ai dit que j'ai supplié mon mari avec une petite fille là, peut-être 42 ou 50 kilos. Mais moi aussi, j'ai perdu 20 kilos en 2 semaines. Il faut que je devienne fille. Oui. Ah oui, c'est comme... Attends, c'est quand tu oublies. Attends, c'est que le sport, ouais, ça rajeunit. Quand on fait quoi? Le sport, ouais, ça rajeunit, tu vois pas? Ah ouais. Et puis là, là. Ça t'a rendu aussi. Oui, ça m'a aussi très belle, hein. Bon, merci, hein. Non. Donc, au revoir. Non, merci. Non, on va te faire un petit truc rapidement, là. Allez, les filles. Hou! Pour le vote, ça casse le vote. Hou! 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 Bon, vas-y, rapidement. Oui, vas-y. Impeccable. C'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Merci, hein. Ok. Mais ça, il n'y a pas gagné l'argent aujourd'hui. Vous avez compris ce qu'elles ont dit, les deux là. Que le sport, ça rajeunit. Que le sport, c'est bien pour la santé. Et surtout, ça rend la femme belle. Vous deux là, vous aurez dû commencer tôt. Maintenant, qu'est-ce que ceux qui viennent? Ouais. Allez, qu'est-ce que ceux qui viennent? Allô? Ouais. DJ! Alors, un bras! D'un côté! D'un côté! D'un côté! Et un bras! Ouais! Un bras! Toujours bien sexy! Ce qui me plaît! Ah, Dayeri, c'est un pantalon ou c'est culotte? Mon frère, tu n'es pas à la mode! Ouais. Pardon, me... pardon, ça va? Hein? Dis-moi. Viens. C'est comment? C'est ma belle-sœur. La future maman de ton futur homo. Non, ça va? L'enfant que tu as fait là, de son homo qui est là. Ça va bien? Vous êtes belle, hein? En tout cas, y a place ou bien elle va partir maintenant? Oh non, elle doit donner un coup de fil. Elle doit donner un coup de fil. Ok, d'accord. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens. Non, c'est chez lui ici. Ici là. Quand tu attends Daiko, c'est que après Daiko, à côté net, de côté. Tu as envie de quelque chose net, tu viens au maquis de Dromica, tu prends. Ouais. Tout ce que tu veux. Y a dit bien tout ce que tu fais. Ok. Non, faut pas te fatiguer. Va dans ton cul de bébé, tu veux me trouver ici. Allez, tout à l'heure. Tu as vu ça. D'un côté. Ouais, frère. Tu sais, tu es mon ami. Tu es mon frère. Ouais. Mais c'est pas bien. Quoi? Ce que tu fais, c'est pas bien. Mon frère, il va te dire une chose. Bon, d'un côté, voilà, tais-toi. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on cherche. Tu connais ton grand frère Cyril? Yeah.
Non, tu connais Cyril qui est à Kologo. Non, attends, attends. Toi, tu peux me donner conseil. Attends, tu connais Cyril? Mon propre grand frère? Oui. Mon propre grand frère Cyril? Oui. Celui qui a fini de têter, puis moi j'ai têté. D'accord. Tu connais sa femme Martine? Mon frère, il faut pas me rappeler les douleurs. Parce que Martine, elle a dit qu'elle était la femme de Cyril. Non, pardon. Si c'est Martine, il ne peut pas connaître. Tu sais que Martine est partie avec une grossesse? Mais c'est... Cyril a dit que ce n'est pas pour lui. Bon, après, on dit que la femme ressemble à Cyril. Mais ça, c'est à vérifier. D'un côté, oui? Je connais la fille là. C'est la fille de Cyril qui est là. Ton grand frère, même père, même mère. C'est sa fille là qui est là. Mais tu plais pourquoi? C'est pas dit que c'est. C'est ça que. Mais pourquoi? Pourquoi le jour de ton anniversaire de Maggie, c'est la chocolatine? T'es côté! Oh ouais! Faut t'asseoir! D'accord. Ouais. Vraiment, tu m'es manqué. Ouais. Assez beau. Non, mais il est nerveux. Ça, c'est mon nouveau copain que je vais marier. Ça, lui, c'est mon camarade. Quand on dit camarade intime, fidèle, c'est lui. Il s'appelle Adama Daiko. Enchanté. Ça, ouais. C'est mon futur épouse. Comment tu t'appelles là? Il s'appelle Pora. Assez beau, assez beau, assez beau. C'est Pora. Ouais. Non, c'est Pola. Prora. Non, Pola, chérie. Bon, prends un. Assez-vous, assez-vous, assez-vous. On peut s'asseoir, voilà. Assez-vous, assez-vous. Voilà. Ça, c'est un nouveau copier. Sinon, ça va bien? Oui, ça va. Ah, ça assez va. Assez-vous, assez-vous. Ah, ouais. Vraiment, quel est ton genre d'homme? Tu ne peux pas comprendre. Un homme. Vraiment fidèle, gentil, très doux. Quelqu'un de tendre comme toi, chérie. Ah là, tu es bien tombé. Tu es bien tombé. Moi, en tout cas, je suis fatigué des femmes faciles. Moi, je veux faire un foyer avec une femme fidèle. Qui n'a même pas l'intention d'aller chercher garçon ailleurs. Oh, mais c'est génial, chérie. C'est pas génie, c'est Dibou Cravate. Voilà. C'est Ahmed Dibou Cravate, je te parle. Ton génie, là, moi, je ne connais pas ça. Oh, non, chérie, tu vois, je vais dire, tu es merveilleux. C'est ça, je dis. Parce que moi, quand je vois une femme que je veux, et puis je suis vraiment content, franchement, je suis frustré. Chérie, t'as pas te frustrer là. Ah bon? Oui. Ça va? Oui. Oh, vraiment. Oh. Non, vraiment, quand je vois tes yeux, on dirait les yeux de Saramade net. Ça, c'est une bonne femme de foyer. Oh, merci, chérie. Tu es génial, mon bébé. Oh, quand il parle comme ça, ça me ferait nuire. Tu habites où? Oh chérie, j'habite à Bram à côté. Bon, tu vas quitter là-bas. C'est parce vite. Un beauté comme ça, c'est pas pour Bram à côté. Il y a vu quoi? Première, tu as pris préservatif.
Alors c'est normal. Deuxième coup là, tu as pris préservatif. Papa. C'est positif. Troisième coup là, il y a des popos on m'a fait. Et puis tu as fait. Troisième préservatif là, c'est PCK. Mais t'as fait quoi? Y a... Même ceux qui sont assis là, pour eux là, c'est pas ça, c'est PES. T'as fait quoi? Hein? Tonton, il m'a enceinté, il m'a enceinté. C'est la mauvaise période là. Ça, c'est un bon garçon. Tu as mangé à l'eau. C'est piment là, tu as mangé maintenant. Un frère. Pardon. Attends, j'ai dit. Toi, tu m'as informé que c'est la fille de Cyril, ouais. Mon grand frère, que j'ai bien accidentellement dans un thé. Bon, l'enfant là, je vais l'appeler comment? C'est un neveu, oh, c'est mon fils. Ah, faut demander, il n'a qu'à répondre. Les deux, neveu fils. J'ai dit, si tu n'as pas honte, sors. D'écouter. Je vais te dire, tiens, mes mariés. D'écouter, pardon, va régler ça. Yeri, faut pas dire à ta maman. On va régler ça après. Vous voyez? Vous avez vu ça? Attends. C'est ton camarade? Ouais. Mais tu prends des risques quand même. Hein. Mais c'est la vie, hein? Mais il faut choisir tes relations désormais. Hein. Parce que moi, comme ça, je ne peux pas venir dans ton maquis et puis te honnir comme ça. Parce que tu es un grand type. Tu es un camarade que j'ai considéré. Quand même. Tu vas quitter Brem à côté. Oh, merci chérie. On va aller où? On va aller à Sikoboa. Chérie, quel genre de Sikoboa? Sikoboa, il y a deux façons. Il y a une façon sans climatiser. Mais pour moi, ça a climatisé. Oh, mais ça serait génial ça. Bonsoir, madame. Il y a quoi pour vous? Paula, mais c'est quoi ça là? Je n'aime pas ça. Madame, je n'aime pas ça, Paula. Madame Ducarme, c'est bon. Je n'aime pas ça. Oh, mademoiselle, venez. Quand même. Venez. Un peu de respect pour mon personne, ou bien c'est parce que j'ai apporté chapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fille est venue chez moi il y a 2 semaines de cela. Ouais. Elle est venue me voir pour prendre ma robe, aller montrer le modèle à son tailleur. Et subitement, elle devient le mannequin de son tailleur. Enlève ma robe. Oh. Et elles sont nombreuses comme ça. Hein. Après, c'est pour prendre le mari des gens. Enlève ma robe. Toi, prends tes responsabilités. Mais je vais prendre. Dépêche-toi. Responsabilité seulement, moi, je vais prendre. Enlève ma robe maintenant. Bon, madame. Enlève. Madame, je vous en prie. C'est une femme que je vais marier bientôt. Faut pas lui on dit, il y a beaucoup d'hommes dans les maquis. Pour qu'à partir derrière là-bas, il va arriver les robes. En tout cas, apprends la bière. Je suis quand même un responsable. Tu n'as pas honte. Allons. Je ne comprends pas. Tu as souffri. Voilà le bonheur. Tu es arrivé devant la porte et dit bonheur. Ton passé était retrouvé là. C'est grave. Amen, tu veux cravate, une femme que je vais prendre. Je ne peux pas parler. T'as tellement j'ai marre, même au groupe sanguin est monté. J'ai marre dans mon corps, dans mon peau. Une femme. Voilà, bonheur, on dit prends son poignet. Ton passé, il te retrouvera. Mais moi, j'ai rentré. Quand même. Faut respecter les gens dans la vie. Moi, dis-moi cravate.
Non, je ne vois pas ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas. Ah, boisson d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est bon. Hein? Ça, là. Dago, parle bien. Pardon, viens vite. Faut demander pardon à monsieur. Mais tu as fait quoi? Non, j'ai dit, faut pas cesser à savoir son signification. Faut demander pardon, c'est tout. Mon frère, vraiment pardon. Nous sommes dans la réconciliation, faut pardonner. Voilà. Tu me connais avant? Est-ce que tu me connais avant? Non, je te connais pendant. Tu vois, mon petit, dans la vie, ce qui peut t'avaler là, faut éviter que ça te lape. L'arbre va faire tomber la tempête, ne voit jamais l'orage qui se prépare à l'horizon. On n'entre pas dans une eau inconnue les deux pieds joints. Mon cher, faut faire ce que tu veux. Ah, c'est quoi? Oh!